Quoi? Ah oh, mais c'est dégueulasse, j'ai appuyé sur CTRL MAJ A, qui est mon raccourci pour balancer le local record. Et en même temps, ça a fait une magie. Salut YouTube, des bisous. On est là avec Père Cafard, c'est génial. N'oublie pas... Ah oui, alors dans les commentaires, n'hésite pas... N'hésite pas. N'hésite pas dans les commentaires. Ah oui, faut pas que j'oublie les tickets Winamax. Ah, tout à l'heure, j'ai essayé d'accrocher le 100 millionième expresso, je l'ai pas eu. Mais oui. Alors oui, c'est ça que j'ai oublié. Je me disais bien que j'avais oublié de parler de quelque chose dans le Real Talk d'intro. Pré-stream. C'est que oui, il me reste plein de tickets Winamax à utiliser avant le 30 mars. Donc on va faire sûrement un gros stream poker. Notamment, on va sûrement jouer... c'est les dimanches, je crois, où il se passe il y a les gros tournois. Mais j'ai un ticket de 100 euros et deux de 50 à craquer. Donc forcément dans un tournoi. Donc je pense qu'on se fera un gros stream poker où je jouerai mal avec du délai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était pas un boss ça. C'était un sbire. Ok. Bon, j'imagine que si on n'avait pas eu l'arme améliorée, ça aurait été chiant. On n'arrête pas d'arriver dans des nouveaux endroits. Soul Sanctum. Oh, petit arpège d'orgue. Castlevania, c'est parti pour du Castlevania. Est-ce qu'on va affronter la mort? C'est quoi ça? Le JDR, ça avance en quelque sorte. J'ai continué le document qu'on a en commun. Mais oui, j'ai visité des locaux. Fibre Tigre va les visiter lundi aussi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais non! Ah, d'accord. Bon, peut-être qu'il fallait pas que je fasse ça. Bon, je l'ai fait en tout cas. Putain, mais c'est incroyable! Parce que je vous rappelle qu'à la base, je voulais juste trouver un prochain truc. Et là, on est passé au travers quoi? Trois mondes? Oh là là! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Sac à merde! Bon, c'est pas grave. Oh non! On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça va en fait. Il est très impressionnant, il est mobile. Mais il a peu de vie. Ah non, c'est bien ça, je le casse à chaque fois et j'ai un sbire random qui arrive. Stylé, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? L'esprit nous limite tant. Comment passer outre ces contraintes pour atteindre une concentration pure? Est-ce seulement possible? Oh mon dieu, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je reste planté là du cul. D'accord. Il faudra que ça disparaisse par contre. Ok. C'est beau un monde qui joue. Alors, il va sortir. Oh mon dieu! Parle-moi de tes rêves. C'est un bidas. C'est cafard bidas. Oh putain. Ça y est, il enchaîne les Kamehameha, j'aime pas trop ça. Ah, en fait, à la base, je voulais me heal. Mais j'ai balancé mon truc et maintenant, je suis pas dans... Ok, c'est bon. Tartinex, encore une fois, un mini-boss.
J'ai brain my nail, oui, heureusement. Ok. On se balade, on se... Oh mon dieu! Ah oui, ça commence à... Heureusement qu'on a braidé notre arme parce que c'est fini un peu les sbires. C'était sympa le temps où les ennemis étaient nuls. Ok. 200 balles, il filait le mid-boss. Ah, tout de même, il était pas gratuit non plus, hein. C'est les bruits, c'est les bruits, c'est les bruits de la maison. Ok. On a ouvert là, donc il y avait quoi en bas? Putain. Il y a trop de gens qui t'aiment. Génial! Génial! Oh mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, doudou didon? C'est bon. Ne vous inquiétez pas, tout est... est sous contrôle. On a envie d'aller partout, mais ça se trouve c'est de la merde. Et pourquoi? Pourquoi? On a envie d'aller partout, mais c'est de la merde. J'ai raté par cafard. Mais non, là, on l'a eu vu par cafard. Ah, vous voulez dire par cafard Ah oui, bah oui, pour cette zone. Ok, donc on est revenu là. Tout en haut à gauche. C'est pas grave. Kida, qu'est-ce qu'il y a? Jean Kida, il y a Jean Kida? Ah non, il y a trop de gens. Il y a trop de Jean Kida, putain, d'accord. C'est une vanne. Vous allez trop loin. Ok. Let's go. Il y a trop de gens. Kida. Bon bah cassons-nous alors. Tout plus haut, plus haut. Non, on aurait pu croire qu'il y avait passage. Ce n'est pas le cas. Là, j'ai voulu l'utiliser avant que les trucs arrivent sur moi, mais pour utiliser le Kamehameha, il faut vraiment faire une toute petite pression. Dès qu'on commence à peine à laisser quelques frames sur le bouton, le jeu pense qu'on est en train de charger pour le soin. Donc faute. Ouah wow, mais non mais sérieux. Ok. Ok. On va bien s'amuser. Ça va. Mais c'est infini, c'est infini. Quoi? Mais combien? Combien? Mais non, je ne vais pas m'énerver. Non mais sérieusement, je vais balancer la boule exprès pour en finir vite. Oh là là, motherfuck. T'as vendu la caravane. Yadi Banco. Passage secret. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi? 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 Passage secret, c'est pas censé être de la bite en bois, c'est censé être sympa. Ah, ça continue encore et encore. D'accord. Il y a de l'ambiance dans ces petites boîtes. Quoi qu'ils sont tellement gratuits, en fait, c'est cool. Ok. Moult ennemis. Alors, qu'est-ce que ça cachait tout ça? Ah! Spell Twister, une rune. Qu'est-ce que c'est? Renvoi des sorts? T'as l'air fou. Oui, s'il te plaît. Reflète les désirs du Soul Sanctum. Ah non! Ah, ça réduit le coût des âmes pour les sorts. Ah oui, c'est très très bon. Ça coûte moins cher, les sœurs. Je dis oui. Putain, mais JPP, on est où? Je vais tout casser. Ah, encore une source d'eau à la con. Un boss? Oh, un boss. Ma vie, c'est de la merde.
et je me suicide. Oh là-bas! Oh là-bas! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh! Je voulais faire du tac! Ok! Non, non! Oh, 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 la feinte! La feinte de petit bâtard! Non! Je veux me soigner, c'est ça le problème. Quoi, 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 quoi? Wouhou! Putain de bébé, non! Oh, cool! Alors, oui, j'aurais pu le bourrer, mais j'ai choisi de me soigner. Non, putain, pile poil au mauvais moment, pas sauter dans le vide pour rien. Putain, mais... Ah, oh, fais chier. Ah bah, oui. Non, ça c'était débile. Oh le bâtard, cette feinte elle est horrible. Putain, je me suis fait avoir encore, attendre le dernier moment. Oh, ça c'est pas de chance. Oh, oh, ok. Pour l'instant, les patterns s'enchaînent un peu. Oh là là. Ça, je m'en sortirai. Oh non, j'ai utilisé la magie par erreur. Oh, je viens de niquer mon heal. Crève, crève. Il est mort? Non. Il est mort? Oh. Putain, du premier coup, c'est beau! C'est fini ou pas? Non, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, non! Non, c'est pas possible! Je suis dégoûté! Oh, ça se trouve, je pouvais le tuer. Oh, j'ai loupé l'occasion de ma vie, ça se trouve. Oh là là, oh là là, oh là là. Ok. Ouh, on l'a fait. Putain, c'est la troisième phase. Alright. Et nous obtenons la plongée des soleils. Ok, appuyez vite sur B, tout en appuyant vers le bas. Pour frapper la terre avec un souffle de puissance. Enfin, une explosion de puissance. Très bien.
Ah oui, c'est cool. C'est un séismo. Putain, c'est beau. Premier essai, surtout après la carotte. Putain, on a failli crever. Alright. Très très beau boss. Hein. Ça fait deux fois de suite qu'on a des boss fights bien stylés. Ah, mais attendez. Genre ça là ? Ou c'est... Non, merde, putain. Je voulais appuyer vers le bas. J'ai appuyé. Vu que ça c'est craquelé, je voulais voir, mais. Si ça, ça allait fonctionner, mais en même temps il y a rien en dessous donc ça me paraît bizarre. Ah bah tiens, peut-être fait exprès ça. Toutes les âmes de ta vie, c'est de comprendre hein, si on peut interagir avec le décor. D'accord, c'est bien ça donc. Ah oui, mais non, mais je suis bloqué. Ah mais non, putain, il y avait des trucs au-dessus. Merde. Ah, oh, je suis deg. Laissez-moi remonter. Ah, c'est bon. Ok, voyons voir. J'ai quand même allé... J'ai quand même monté avant tout. La chute, ça a l'air d'être la suite évidente, mais... C'est quoi, ça? C'est du bordel. Ah! Oula! Oh, tout ce pognon, madame! Moult pognon. Ok, donc on peut enchaîner notre descente. Ouais, de toute façon, on était obligé de comprendre que le pouvoir était utile contre le décor. Oui, la musique est sublime. Christopher Larkin à la bande son. Aussi responsable pour Ori and the Blind Forest, si je dis pas de bêtises. Paf! Ah, j'ai tué quelqu'un aussi. Très bien. C'est quoi donc? Ok, encore un saut de Hollow Nest. Un jour on comprendra à quoi ça sert. Oula! Oh merde, ça va péter! Oh, un sub! Oh my god! Nous devons sauver les nôtres. Pour l'argent. Ah, c'était bien jouissif ce boss. Cette petite salle dégueulasse l'est moins par contre. Regardez tous ces milliards de cadavres, c'est terrible! Petit bâtard, petit bâtard! Ok. Ah, il y en a eu tellement que j'ai déjà rempli l'objectif du chasseur! Mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Il tripe, vraisemblablement. Je dois aller chercher le sub. What? Ok. Non, mais il était à... Oui. C'est un vrai sub, hein. Mimu, mimu. Superbe. Ah putain, le recul. Le recul qui m'a baïsé. Ah d'accord, on passe sous le boss du coup. Ça c'est pour des âmes, mais je suis au max. Ah putain, c'est chiant des fois. Cette accroche qui part pas. Paf! Non, là on peut pas, c'est blindé, on est d'accord. Hein? Déjà fait? Déjà connu? Je vais pas m'énerver. Mais oui, d'accord. Putain, mais tout se ressemble, donc je crois... Je crois reconnaître, mais je reconnais ma bite, en fait. Ah,
Attendez. Je vais en avoir le cœur net. Là, c'est où on est tombé pour le boss. Oui, ok. Donc, on était là. Et au-dessus, on était arrivé d'au-dessus quand on a pris la décision d'aller là. Oui, d'accord, oui, c'est le passage secret. Putain, mais quelle amnésie. Le boss fight m'a complètement tué le cerveau. Ok. C'est parce qu'on n'a pas eu un banc depuis 1000 ans. Ah, ça c'est intéressant par contre. Vers la lumière. D'accord, on est de retour ici. Si on peut rejoindre le banc, c'est pas mal. Non, oui. Quand on arrive au-dessus de l'ascenseur, c'est badant. Je vais galérer plus de 10 heures pour le Soul Sanctum. Ah bah. Content qu'on ait réussi à s'en sortir assez vite alors. Allez. Oui, on est tout près du banc. Bon, ça par contre, ces vitres-là, on les casse pas. En fait, ce qui serait formidable, c'est de trouver la bestiole là qui peut nous ramener à la ville. Faudrait une station de ça. Père Cafard. Oui, Père Cafard, on l'a sauvé. Il nous a raconté moult histoires. Là, on est de retour dans la cité des larmes. Mais les buts, hein. Oh, la gigite, quoi. Ok, on y voit plus clair. Ah bah d'accord, le Soul Sanctum, on avait tout fait. Au final, c'est fermé. Intéressant. Bon bah, dans l'idéal, on aimerait... En bas à droite, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a une sortie en dessous du Soul Sanctum. C'est peut-être juste pour un bonus, mais on va essayer de trouver ça. Merde. Ah, les cassettes. Il a laissé quoi par Cafa? Moi ça. Une VHS par terre. Ah oui, on pourrait aller voir, mais normalement, en fait, vous trouvez des cassettes à l'endroit où il y avait Père Cafard. Bon, en général, il vous dit juste... il vous dit juste quoi? Il vous dit juste « Lol, on s'est loupé, lol, on se retrouve au magasin, lol. » Il me semble, hein. Est-ce qu'on va vraiment faire ça? Est-ce qu'on va vraiment retourner voir Père Cafard? Quoique si je quitte et je continue, c'est pareil, non? Non, c'est pas grave. Ah mais non, mais là, c'était le sub. Allez, pour votre plus grand plaisir, on va voir la cassette. Mais il me semble bien que c'est juste du lol. Hein. Oh, désolé, je t'ai loupé. Si jamais tu te perds, mais pourquoi ne viens-tu pas dans notre magasin de merde? Voilà. D'autant plus que je sais pas pourquoi il a laissé ça, parce qu'on s'est pas perdu de vue, je l'ai... m'a filé la carte. Sac à merde, man. Oui, c'est vrai qu'on est tout à l'est, en fait. Ah. Si on retourne tout à l'ouest, c'est les Fungal Wastes. C'est vrai qu'on est arrivé là par complet accident. Mais c'est cool. Enfin non, oui. J'avais décidé d'aller vers la droite, donc c'est cool. Oui, les sols qui tremblent. Oui, bah on l'a fait tout à l'heure. Donc oui, on a vu quelques sols qui tremblent, en effet, ici et là. Notamment dans les mines, mais aussi au tout début du jeu. Putain, je vais juste voir ce qu'il y avait. Ah bah c'est là. Ah oui, mais sauf que c'est bloqué. Ah oui, c'est de la merde. Bah ensuite c'est Hollow Knight, le forgeron. Non, en gros, si je veux sortir d'ici, à part si je trouve une station de métro, de tram, c'est... faut que je retourne au Fungal Wastes, quoi. Quel emmerdement. Semblerait-il, hein, madame.
Ah, I'm so mad life. 10 sushis. Je me suis fait un gros burger de gros. Gros burger de gros. Capuche 9, 7, 4. TMTC, les îles TMTC. Mais le tromé est sur ma carte. Comment ça? Comment ça? Comment ça? Oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh! Regarde où tu mets les pieds! Espèce de vagabond forban clodo! Ah, je ne veux pas que tu m'éclabousses! J'ai bien galéré à rester sec! Je suis hôte, le glorieux, un chevalier de grande renommée! Si je décide que je dois rester sec, eh bien c'est ce qui va se passer! Ah, que cette saloperie de cité soit maudite! De l'eau et des monstres qui tombent constamment d'en haut! Et oui, ce n'est pas surprenant que ce royaume pourri soit tombé en ruine! Tu les as vus? Mon cul! Les gardes qui patrouillent encore, dans cette ville, même après leur mort! Pah. Être aussi loyal envers ses devoirs n'est pas une vertu! D'accord. Donc ça, c'est pour retourner au Fungal West, ça se voit d'ailleurs. Ah oui, le stack, c'est le tromé, oui, d'accord. J'avais oublié. Il y avait un truc à Hollow Knight à défoncer vers le bas? Putain, je sais pas. Ah, vous m'avez spoilé. Est-ce qu'on aurait envie d'aller faire le truc d'Hollow Knight? Moi, ce qui m'embête en faisant le truc d'Hollow Knight, c'est que... Bon, quoique si on avance, c'est bien, en fait. Je me dis toujours que, évidemment, si je backtrack à l'infini, je vais pouvoir upgrader mon équipement, mes HP, mes machins. Mais après tout, on n'est pas là pour enfiler des perles. Si on jouait pas en stream, on pourrait prendre 100 heures pour faire tout et n'importe quoi. Mais on va essayer d'avancer un minimum. C'est déjà une bénédiction qu'on a réussi à one-shot ce boss. À mon avis, ça sera pas le cas à chaque fois. Allons voir du côté d'Hollow Knight. De la statue d'Hollow Knight. Superbe. Ah merde, j'aurais pu changer mes pouvoirs. Non, quoique c'est bien. Ça fonctionne. Ah là là, mais il y a aussi en bas, il y a des choses qu'on n'a pas visitées en fait. Ma vie, c'est de la merde. Bonjour. Ah ah oui. Ah, tu viens chercher des rares bibelots, n'est-ce pas? Eh bien, enlève tes sales pattes de là. Cette collection est à moi et je ne la vendrai pas à des vagabonds forbans. Mais bon. J'imagine que toi, tu trouves moult objets intéressants lors de tes voyages. Peut-être voudrais-tu te débarrasser de certains. Oui, je te donnerai une belle somme pour chaque. Eh ben voilà, c'est là où on va se débarrasser de nos trucs. Voilà, le journal du vagabond et les Alonacil, c'est là où on se fait des couilles en or. Formidable, j'ai trouvé le vendeur. Paf, j'en vends 6, j'ai que ça à foutre. Ah, le sceau d'Alonès, oh oui, très intéressant. Savais-tu, connais-tu l'histoire des 5 grands chevaliers du royaume? Ce sont des figures respectées de Alonès, souvent mentionnées dans les annales du royaume, mais seulement en tant que groupe. Oui, leur nom et leur apparence semblent avoir disparu de l'histoire. Ah, il y a tant de temps s'est écoulé depuis leur époque. Ça serait vraiment incroyable de découvrir leurs identités. Ah oui, non mais... Je peux pas vendre 6 d'un coup? Ma vie, c'est de la merde. Oh, Paul. Bon, par contre, faudrait que je trouve un banc parce que... Là, je vends tout, mais... J'ai jamais utilisé la banque, je sais pas si c'est worth it. Moi je préfère aller galérer, aller chercher mon pognon. Alors que j'imagine c'est comme dans les Souls. Parce que ça nous est pas arrivé, hein, mine de rien, cette situation encore. Si on meurt une deuxième fois pendant qu'on... sans avoir récupéré nos âmes,
On les perd pour de bon, j'imagine, vu que notre fantôme est remplacé par celui de la dernière mort. Ok, j'espère que... Ah, il est ajouté sur ma carte, Poulpeman. Sacré Poulpeman. Ah, bah ça valait le coup, hein. Ah bah oui, il y a ça aussi. Ah non, mais ça, c'est de la bite. Ça, il faut une clé. Putain, est-ce que j'ai assez pour la magie? Parce que du coup, j'ai fait le con. Il n'y a pas d'ennemis, je crois, dans la zone d'Hollow Knight. Ah mais attendez, vous me parliez de ça? Si vous me parliez de ça, ma vie, c'est tellement de la merde. Vous m'aviez parlé de ça, c'est ça? Je suis revenu là pour le truc où il fallait une clé. Ma vie, c'est de la merde. Ah oui, j'ai cru qu'il se passait un truc mystique. Ma vie, c'est de la merde. Parce que ça, c'est pas défoncé, ça, il faut une clef. Ça ne tremble pas. Ma vie, c'est de la merde. Ma vie, c'est de la merde, je suis revenu. Mais au moins, on aura trouvé le super vendeur. Super mentor. Oui, c'est ça. Oh. Si double décès, double tristesse. On n'a pas visité tout en haut là, mais j'imagine qu'il y avait une raison. On n'avait pas les ressources pour. Oui, non, c'était le plus haut qu'on pouvait aller, ça. Du moins, avec ce qu'on avait pour l'instant. Le double saut. Semble pas qu'on... Que je puisse aller au-dessus, hein. Oh, quoique. Oh, le skill. Ah, mais non, mais on est déjà allé là. Putain, je me suis ambiancé à faire une action épique. Alors qu'on était allé là. Mais avouez que ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule. Ça en a moins. Ouais, non, à gauche, là. Ah. Non, je peux pas atteindre. Quoique, peut-être... Non. Je vais essayer pour le lol. Mais je pense que c'est de la bite. C'est bête, hein. Non. L'argent, mon argent. Bon bah du coup c'est la tristesse, ça veut dire que... Bon non, on va juste remonter vers les Fungal Waste, mais est-ce que je peux le faire d'ici? Oui. Parce qu'on vient de loin. Padap. Quoi, ça sert à quelque chose? Écoutez, moi j'ai vu du pognon. On n'a jamais eu à les utiliser jusqu'ici, donc pour moi c'était... C'était du loot, quoi. Pour moi c'était là pour ça, pour être vendu à ce vieux. Où t'as croisé l'autre qui voulait pas se mouiller. Ah, Quirrell. Mais il était là, Quirrell. Oh, oui, il était là, c'est ça. On était tous les deux sur ce banc-là. À moins que vous me parliez de l'autre connard. Non, le passage secret, on l'a fait, c'était juste de l'histoire. N'est-ce pas? Bravo. Merde, je croyais qu'il était mort. Absolument pas. À gauche du vieux grincheux, t'as la bête taxi. Joe, le taxi! Ah merde, et c'est où qu'on l'a croisé, Grincheman, déjà? Attendez, mais c'était en allant vers la gauche. C'était à gauche de l'autre banc qu'on l'a croisé? Amnésiman. C'était où déjà? C'est incroyable, hein. Ah, il y a Mycos du... Eh, Mycos du cul. Je sais pas si je t'avais remercié, Mycos du cul. Alors, merci, Mycos du cul. Ah oui, c'était pendant un dialogue. Merci, Mycos du cul. Oui, c'était près de l'autre banc, d'accord. Très joli pseudo, hein, by the way. Tune around, merde.
Magnifique. Il y a de l'ambiance dans ces petites boîtes. Pourquoi je vais là? On va devoir tout remonter. J'adore ma vie. La boule magique. Merci Dense et Tueur. Attendez, mais quand j'ai fait pour... Je peux m'énerver. Ah mais si. C'était en... Ah oui, mais j'ai ouvert les passages, donc c'est bon. J'ai ouvert toutes les portes avec ma souris et mon clavier. Allez. LOL, t'es deg, LOL. LOL. Est-ce qu'on peut se faire... Oui, non, on peut sûrement se faire écraser. Plus haut, plus haut. Là, il y a... J'ai fait tous les passages chiants qui n'intéressent personne. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est quoi? Un œuf qui pue. Un œuf qui pue du cul. On avait proposé de me vendre l'œuf qui pue du cul, me semble-t-il. C'est quoi l'œuf qui pue du cul? On ne sait pas. Ça pue la mort, la décomposition. Et c'est pas comestible. J'avais pas fait ça. Alright. Je crois que ça mène à rien. Non, c'est bon. Oui, c'est bon. Quoi? Non, c'est pas bon. On est où? On s'emmerde. Je suis dans le pire cul-de-sac de l'univers. Très, très belles esquives, hein. Putain, le mec! Oh, les tryharders, quoi! Fallait faire le tour? Non, jamais. Là, c'était bloqué, on le sait. Voilà, c'est là. Oui, à côté de Parc Afa. Easy. Pas de soucis. Mais non, non! Ah, en plus, quand on tombe... Vous avez vu, je suis tombé... Je suis tombé verticalement alors que je laissais appuyer vers la droite. Il y a un petit temps d'attente. Ah, parce que j'ai laissé appuyer vers la gauche, mais en fait, si vous sortez du haut de l'écran en étant sur la droite, vous pouvez pas aller vers la gauche directement à la sortie, ce qui est logique au final. Ok. Ouais, bah Dream Coma, faudrait continuer. Je suis un peu fatigué, mais on va le faire sûrement. Ah bah oui, voilà. On ouvre. Ça, on l'avait vu, hein, si je ne m'abuse. On était arrivé à cet endroit, voilà. Donc maintenant, c'est ouvert. Et maintenant, normalement, j'ai mon Navigo. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, mais c'est pas le Navigo, là. C'est juste... la sauterelle. Mais... Merde. Mais quoi qu'au final, la suite... Il y a aussi... On aurait pu repasser par les Fungal Ways. Enfin, c'est bien de découvrir quand même la station, mais... Mais oui. Si ça se trouve, au Fungal Ways, il y a des choses à défoncer. Oui, attendez, c'est intéressant parce que... Je connais ces endroits d'il y a longtemps. Si ça se trouve, il y a des trucs où j'avais besoin de double saut ou autre chose. Beaucoup de temps s'est passé. D'accord. Un vieux, ils servent à rien, c'est des sbires. Ok. Ah oui, bah on était passé assez vite hein, en coup de vent ici.
Voilà, je me disais, j'ai sûrement loupé des choses. Oh merde, la clé simple qu'on aurait pu utiliser à côté d'Hollow Knight. Je suis au bout. D'autant plus que la clé simple, à mon avis, enfin, on peut en acheter plusieurs, hein. Ça doit être pour des upgrades. Dommage. J'ai pas continué Coma, non. On va peut-être le continuer ce soir. Pas sûr encore. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un piège! Ah, ça alors? Ah bah merde, ça c'était à vendre à Perfouras. Ok, donc le stack c'est là et Et oui, ça tue, ok. Quoi? Ils m'ont remis où? Oh là là, ma vie c'est de la merde, heureusement. Ah d'accord, je pensais que c'était encore un étage au-dessus, donc là vous me jugez. Ça, mais c'est là ma grande force en fait. C'est ma grande force, c'est que j'arrive, si vous voulez, à battre un boss que je vois pour la première fois du premier coup, mais j'arrive aussi à faire ça. Ah, tu viens de découvrir les amonnaies. C'est indispensable. Ok, donc c'est là que ça se passe. On va mettre un peu d'argent. 200 balles. Mais bon, on l'ouvre pour toujours. Ok. Ah! Plus on ouvre de stations, plus ses souvenirs lui reviennent. C'est beau. Voilà. C'est grand, hein? C'est beau, mais c'est grand. Oui, c'est marrant, c'est une carte à la Souls, justement, en effet. Salut Régis, c'est un con. Putain, je sais pas ce que j'ai en ce moment, j'ai envie de fumer des clopes. C'est terrible. Ça revient, il va falloir que je replonge dans mon bouquin. Non! C'est bon. Ok. Oh mais mon dieu, c'est Bretta! Quoi, on peut pas lui parler? C'est la meuf qui était terrorisée là qu'on a ramenée. On s'est accepté, ça t'est passé par le vieux. Oh non, tout gros bis. Ah ouais, un jeune couple vient juste d'arriver et de prendre résidence dans la maison à côté de la station. Comment ça? Mais il se fout de ma gueule, il parle de père cafard. Il sert à rien. Et Jacqueline, elle a jamais rien. Pas pour nada. Ah si. Hein? Ah oui, d'accord. Maintenant que j'ai mon pass Navigo, je peux acheter ça pour que les trams soient indiquées sur ma carte. Des slots de runes. Ah, on peut acheter ça, oui. Ah, c'est là où il y avait la meuf complètement starbée. C'est quoi, ça? Ah, on l'a déjà lu, ce livre. Semble-t-il. Donc oui, le magasin. Oh. Ouh. Pas de masture. Fragment, une clé donc, mais bon, on en a une pour l'instant. Ça c'était quoi? Oui, ça c'est plus de recover, plus de temps d'invincibilité après se faire toucher, s'être fait toucher. Et ça, c'est pour que attirer l'argent, que l'argent soit en mode qu'on attire l'argent tel un aimant pour pas en perdre dans les fosses. Soit on s'en branle. Ouais. Non, alors non, je ne vais pas retourner voir le grand maître Pineur. Par pitié. Oh. Ah bonsoir Jean-Pierre Porno. C'est l'ennui de votre vie. Et ça, c'était avec une simple clé? C'était avec quoi? Non, c'est plus tard. Ah si! Donc en fait,
Ok, ça veut dire que depuis le début j'aurais pu aller là. Hein? Oui d'accord, oui. J'ai eu peur. Depuis le début j'aurais pu aller là. Qu'est-ce que c'est que ça? Lily. Oh pff. Bonjour. Tu sens un pack, Nelou. Bienvenue, petit être. Oh là là, je dors ici depuis moult temps. Oh oui, moult temps. Ah oh oui, oui, oui. Mais voilà que tu es venu et que tu m'as réveillé. Alors peu importe, je suppose. Je peux même. Je pourrais même peut-être t'aider. Je suis Gigi. Ah oh oui, formidable. Et oui, tu as trouvé ma chambre secrète. Tu dois avoir besoin de mon aide. Tu vois, des fois nous laissons nos regrets derrière dans le monde, comme des taches noires. Bah oui, mais ça je sais. Si nous, nous réglons pas nos griefs avec ces regrets, l'espoir commence à se retirer de nous, à s'en aller, à s'enfuir. As-tu des regrets, petit homme? Laisse-moi t'observer pendant un moment. Ah d'accord, en gros. Oh non, mais c'est tout ça pour ça. En gros, cette meuf-là, c'est ça? C'est si jamais je crève plein de fois de suite comme un sac et que là, en effet... Pourquoi le jeu? Pourquoi c'est revenu à Windows? Ah, j'ai dû appuyer sur le bouton Xbox. Si jamais je perds plein de fois de suite, là, je peux lui racheter mes âmes, j'imagine. Ah bah quel ennui, j'ai claqué ma clé pour ça. Bon, bah, je vais en racheter une, hein. Ah, tu lui files un œuf pourri. Ah, les fameux œufs pourris qu'on a découverts en plus. Merci beaucoup, Lozinner. Nani nanou. Allez, je vais lui acheter ça. On en est où? Ok. Ah, il en faut que 3 pour celui-là, pas 4. Oui, alors des slots. Non, mais c'est pas à lui que j'achète des slots, on est d'accord, c'est à l'autre. C'est à Claude Hollande. Et on va sortir ici, ouais, parce qu'à mon avis, en partant du début, il y a moult choses à découvrir. Ah, mais ça fait déjà une heure qu'on a repris. Oh là là. Attendez. Ah, mais oui, c'est vrai que je dois aller. Oh putain, mais c'est génial! Car je dois aller au temple de l'œuf de pierre qui est juste à côté. Et il y a le village des subs! Et on a sauvé moult subs! Allons voir les subs. Les subs aussi peuvent me débloquer hein. Des choses incroyables. Et bah oui, maintenant je one-shot tout le monde, c'est un grand moment de liesse. Oh oh! Oh oh! Alors! Du pognon? Juste du pognon? Ah! Grub song. Oh là là! Moule de pognon, hein! Et donc, Grub song. C'est une relique. Quelle est-elle? 1. Contient la gratitude des subs! On gagne des âmes quand on prend du dommage. Merci, les subs! Best rune ever quand t'es nul, j'avoue. Tu te fais toucher, tu gagnes de quoi te faire healer. C'est pratique. Est-ce que y avait une station de stag juste à côté du village des sbires? Non. Le village des sbires, là, il est tout en bas à droite de cette map. Quoique si, il y en a un qui nous amènerait pas trop loin et près du tram. La boule magique. Non, bon, on va rester comme ça. On est des ouf. On est des mecs vrais. Bon, alors, autant Bad Dream Coma, ça pourrait être cool. Mais là, je suis saucé. Donc, on va continuer. On va continuer ce jeu. On est des ouf. Merci beaucoup, Skija. Et Antoine également. Ouais, je suis saucé. On revient dans 5 minutes. Salut YouTube, des bisous. On va voir si on bat Claude Hollande ou dans l'œuf de la mort. A plus.